Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, je suis encore en pyjama, mais l'idée c'est de vous embarquer avec moi toute la semaine. Là je pars au coworking, donc ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu des journées types, que ce soit quand je travaille à la maison, quand j'ai des rendez-vous en extérieur, quand je travaille au coworking, ça va être chouette. Là ce matin je suis en train de me faire un petit peu mon lunch pour ce midi, donc je vais vous montrer ça, puisqu'une partie de cette vidéo est en collaboration avec mon bento, vous savez les bento comme ça... pour embarquer son lunch au boulot par exemple, ils ont plein de nouveautés trop cool et moi j'essaye de commander un minimum quand je suis comme ça en coworking, donc voilà, le matin je cuisine, ou le soir d'ailleurs, je vais montrer ça et on file au coworking et je vous embarque pour une semaine. Je vous montre mon lunch de ce midi, mais aussi mon petit déjeuner. Je ne sais pas si vous saviez que mon bento fait ça. C'est en fait un récipient isotherme. Donc ça, c'est fantastique. Ça reste chaud comme ça pendant 10 heures. Donc j'ai fait mon petit déj, un porridge au lait d'avoine avec un gros carreau de chocolat qui est en train de fondre dedans et une banane. Donc ça va rester au chaud jusqu'à ce que j'arrive au boulot, parce que là, j'ai vraiment pas le temps de le manger maintenant. Et pour ce midi, dans ce MB Square, c'est mon préféré parce qu'en fait, c'est vrai que je mange des grosses portions. Donc on peut vraiment mettre des grosses portions dans celui-ci. Donc au niveau du premier étage, j'ai fait, je sais pas si vous voyez, du quinoa au curry avec des lamelles de tofu fumé au sésame avec des petits oignons nouveaux et des brocolis. Et sur l'autre étage, j'ai fait une grosse salade de crudité avec endives, carottes et à nouveau des petits oignons nouveaux. Et j'ai la sauce de côté, il y a des petits extras en fait comme ça que mon bento propose, j'en ai plusieurs comme ça, c'est parfait pour mettre des petits morceaux de fruits ou comme ici des petits oléagineux que je mangerai au goûter ou même dans la salade, ça peut être très bon. Et même la sauce est de côté parce que si je la mets maintenant dans la salade de crudité, il est 9h, je mange pas avant 13-14h, donc sinon ça va cuire. Donc j'ai la sauce de côté et mes couverts. Je suis pas du tout chargée, j'ai donc un sac de sport pour tout à l'heure, mon sac bah du coup avec toutes mes provisions et puis sac de boulot avec l'ordi, etc. Je suis ready. Cette semaine on a une invitée au coworking, Shirley. Salut. Elle est à Saint-Jean-de-Luz cette semaine, donc du coup elle vient travailler en télétravail avec nous. Je pense que je ne vous ai jamais vraiment montré le bureau, donc c'est l'occasion, notre Pampa Studio. Il y a juste Anne-Laure là pour le moment, qui travaille aujourd'hui à la place de Lydie. Moi je suis à côté, Seinabou est là, Ben, et voilà, normalement Anne-Laure est là, donc c'est notre petit bureau. C'est trop sympa, non, avec la guirlande, j'adore. Et comme Lydie et Seinabou ont en fait une marque de bijoux et de bougies, elles peuvent aussi faire leurs commandes ici, travailler sur leur marque. Et de ce côté-là, ben en fait, on peut faire nos calls pour être tranquille et pas embêter les autres. Et puis, c'est le petit espace pour faire les pauses déj, les rendez-vous aussi avec les clients. C'est cool d'avoir deux espaces. Et le petit déjeuner, tout chaud. On a Seinabou qui est arrivé. Elle nous fait le DJ. C'est la première fois que j'arrive si tôt. Ça, 8h30, c'est rare. Ouais, c'est ça. Ouais. Chouille. Ok, ça va être une journée productive, je le sens. Bon, matinée coup de fil, ce sera un petit peu pareil cet après-midi. Je vais appeler Charlotte après manger là, puisque on s'appelle comme ça un petit peu tous les jours pour voir ce qui s'est passé au niveau des mails, qu'est-ce que je veux répondre, tout ça. Et à 16h, j'ai rendez-vous avec la créatrice de Héloïse et Abélard, ma bague. On va s'appeler pour parler un petit peu de 2022, pourquoi pas travailler ensemble, on va voir ça. Mais là, c'est l'heure de manger, les gars. On a Ben qui est arrivé pile pour le déjeuner. Coucou Ben. C'est chiant, c'est pas... C'est pas du FaceTime. Je vlog. Tu sais, je t'avais dit que je vloguerais une semaine. C'est pas la meilleure phrase. C'est pour ça que du coup tu bosses autant en ce moment. Ah bah évidemment. Il faut montrer ça en vidéo. Ça dans le vlog. Mais je le laisse. Et bon appétit les copains. Bon appétit. Bah écoute, j'adore l'idée. Je suis au coworking et alors vraiment, il y a aucune chance de garder le son sérieux ici. J'ai fait garder bruit. Est-ce que on peut revenir sur le plan de ce matin? Un sac de sport pour tout à l'heure. Je vous disais, ce soir, on va à la salle de sport. Mais vraiment, Shirley et moi, on est venus
avec notre tenue de sport. Quoi ? C'est la live. Visiblement, c'est un autre programme qui nous attend. À la vie, à l'amour. Oui, je te rappelle la dernière choré pour notre... Mais... Regardez ce beau temps aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendiez compte à quel point il faisait dégueulasse hier, mais là ça me remplit de joie. Là j'ai rendez-vous, il est 9... Ouh là là, il est 9h50, je file. J'ai rendez-vous à 10h avec Shirley, qui en fait va me présenter quelqu'un qui travaille dans la vidéo sur Saint-Jean-de-Luz. Je le connais pas du tout et voilà, ça m'intéresse de rencontrer des gens, des nouveaux contacts, on sait jamais. Pour la suite, c'est toujours chouette de réseauter. Et ensuite à 11h15, j'ai rendez-vous avec mon psychologue, comme... deux fois par mois, et je rentrerai à la maison pour déjeuner. Ah non, avant ça, j'irai voir ma mère, bon, je vous raconte après. Matinée de rendez-vous terminée. Bon, évidemment, j'ai pas pu filmer grand-chose, j'allais pas vous filmer ma séance chez mon psychothérapeute. J'ai dit psychologue d'ailleurs tout à l'heure. Il est psychothérapeute, bref. J'allais pas vous filmer ça, mais c'était génial. Je pense qu'il a dû ressentir que j'avais pas grand-chose à lui raconter, pour une fois. Et en fait, on s'est mis à philosopher sur la période qu'on est en train tous de traverser, l'atmosphère ambiante, et puis comment ça peut diviser les gens, mais aussi les réunir. C'est super, j'ai passé un super moment avec lui. Là, je ressors de chez ma maman. J'avais des trucs à récupérer chez elle, comme je vous disais ce matin. Et je vais filer manger rapido à la maison, parce qu'en fait, j'ai des choses à filmer cet après-midi. Je vais vous montrer. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec l'hiver, les moments de création contenus sont assez courts à cause de la lumière du jour, donc je vais profiter de la lumière de cet après-midi pour filmer tout ça. J'en profite de passer devant ce miroir dans mon entrée pour vous montrer, non pas mon look, mais mon nouveau bébé, donc le Sony ZV-E10. En fait, c'est vraiment une caméra qui a été pensée pour les vlogueurs. C'est un pack avec l'objectif, le boîtier, la moumoute, ça c'est top si vous filmez dehors, qu'il y a du vent, etc. Là, c'est l'écran rétractable, donc hyper pratique pour se filmer face caméra, et c'est proposé aussi avec le trépied, je vous disais, un pack. Donc voilà, je l'inaugure complètement dans cette vidéo avec vous, je vous en reparlerai sûrement, mais trop contente de ce nouveau bébé pour filmer mes vlogs. Il y a plus de lumière. Mais... Pourquoi c'est toi qui as fait ça? Mais c'est toi qui t'es allé chercher le lutin de Noël? Je me suis fait un petit couscous ce midi avec semoule et dans un bouillon avec du hazelnut et puis du concentré de tomate et des épices. J'ai fait cuire du chou-fleur, de l'oignon, des carottes et des petits pois chiches. Chabi, acteur studio. En fait, je suis en train de pré-filmer des stories que je publierai dans la semaine, je pense, mais la marque Ultra Premium Direct voulait les valider avant que je les poste. Du coup, je les fais un petit peu en avance. Et des fois, on attend longtemps pour avoir une réaction. Je crois que je n'obtiendrai plus rien de lui, là. C'est fini? T'as assez tourné? T'as assez tourné? Oh, mon cœur. Oh, tu veux jouer maintenant? J'aurai posté les stories quand vous verrez ce vlog, donc je peux vous raconter. En fait, on est en train d'organiser la Chat-Valentin avec Chabi. On adore les jeux de mots ici. Allez, je rejoins mon cours, je suis très en retard. Hello! Tu vois, j'étais en train de parler de ton engagement dans le développement durable. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde. Oh là là, je sais pas si je peux le dire. Oui, bon, on verra bien. Écoutez, de toute façon, au pire, il se passera rien. Mais je viens d'avoir Decathlon au téléphone. Bon, de toute façon, je savais qu'ils étaient top puisque je travaille déjà avec Itiwit, les paddles, Between, les vélos électriques, Olayan et Kim Jali pour notre projet de collection qui arrive cet été. Donc voilà, je sais que Decathlon, c'est la famille, quoi. Ils sont trop géniaux. Mais là, ça peut être très très cool ce projet. On verra, on s'en reparlera. Bon, j'ai l'impression que ça a été un peu speed là cet après-midi, mais ça l'était. Parce que voilà, 16h, il n'y a déjà plus de lumière. 17h. J'ai tourné donc les petites stories avec Chabi. Je vais faire le montage. J'ai pas encore eu le temps parce que j'ai eu l'appel avec Decat de 16 à 17 là. Et aujourd'hui, je vous partage un réel autour de l'application Creative Cloud Express. Et en fait, dans les stories et dans le réel, j'étais habillée avec le sweat que je voulais mettre en avant d'une super marque, d'une lectrice qui est 15h45. Et donc du coup, bon, je suis pointilleuse, hein, mais pour que ça puisse coïncider, qu'il y ait un bon raccord, je me suis changée et du coup, j'ai plus le pull de tout à l'heure. Mais ça me va très bien parce que je l'adore, ce sweat. Vous me demandez souvent et quoi je monte. Alors sincèrement, quand j'ai filmé avec le téléphone, je monte avec l'application InShot et c'est la folie. J'ai dû faire... mal de vidéos quand même parce que bah,
c'est un chat, hein, on peut pas lui demander ce qu'on veut, voilà, des fois il se nettoie. Voilà, je vais avoir, bah, j'ai 18 minutes de vidéo et je vais essayer de faire un petit montage rigolo. Je sors de ma séance de sport et je vais aller voir tout le coworking en fait qui vient à Saint-Jean pour aller boire un petit verre. J'ai gardé évidemment mon sweat bien trop cool, j'ai l'impression de sortir d'une séance de sport des années 80. Toutou, youtou. Très sérieusement à changer notre nom Studio Pampa pour Studio Pampette. Troisième jour de ce vlog, je file au coworking, j'ai rendez-vous à 10h30 avec Mademoiselle Fanny. Vous savez, on est en train de créer pour cette année un bijou made in France ensemble. On vous avait fait passer un formulaire, vous avez d'ailleurs été des milliers à y répondre et ça c'était trop cool pour connaître un petit peu vos envies, vos préférences. Mais il y avait des réponses, c'était trop compliqué de départager, donc on a refait des sondages sur Instagram qui vont pas mal nous aider, donc on va faire le point ce matin ensemble. Ensuite à midi, je file chez le docteur Georgieux, vous savez c'est là que je fais les soins mésothérapie, hydrafacial, le laser. Et en fait on va faire un live sur mon compte Instagram pour répondre à vos questions parce que vous me posez beaucoup de questions sur tous ces soins, le laser, etc. Donc ça va être chouette. Et ensuite j'ai rendez-vous à 16h chez Bloom, vous savez celle qui me fait les ongles. Là ça fait 3 semaines donc je vais refaire quelque chose je pense avec de la paillette. On va voir. Je vous présente. J'en profiterai d'ailleurs pour vous la présenter, pour vous filmer un petit peu là-bas, parce que c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Donc voilà, une journée entre boulot, coworking et rendez-vous. J'ai un chouette projet ce mois-ci avec la marque, la matière Tencel. Donc c'est une matière, celle de mes hugs en fait. Vous savez, je vous ai montré des photos dans ce vlog hier, je crois avant-hier, que j'avais faite avec Lydie dans la forêt et je portais des hugs qui sont en Tencel. Donc je bosse avec cette matière et j'aimerais poster les photos cet après-midi si elles sont validées. Et en plus du post que je fais en collaboration avec eux, j'aimerais bien vous poster des stories pour encore plus rentrer dans les détails par rapport à cette matière qui est hyper intéressante, qui est durable, qui est innovante. Donc du coup, je suis en train de faire plein de recherches sur Internet ce matin. Je peux vous l'expliquer, mais j'aimerais rentrer encore plus dans les détails et vous donner encore plus d'informations. Donc j'ai l'impression de faire un TPE là en fait. Mon TPE étant fini et comme j'attends mon rendez-vous avec Mademoiselle Fanny là au bureau, je me suis un petit peu perdue sur Pinterest. Comme ça je trouve mes inspi pour tout à l'heure, je préfère arriver avec une idée, sinon je réfléchis pendant 1000 ans et je lui fais perdre son temps. J'ai envie d'un truc hyper, hyper girly. Alors je comprends pas. On parle de Noël, moi je vais faire ça en février. J'avais très envie d'une couleur hyper naturelle, d'une French à paillettes, et peut-être même mettre des diamants. Oh ouais, j'ai envie d'y aller carrément. Un truc hyper princesse. Bon, le rendez-vous s'est super bien passé avec Mademoiselle Fanny. Cette collection va être canon. De toute façon, on vous en reparle vite sur Instagram. L'idée, c'est de vous parler, oula, de tous les, de toutes les étapes. Et là, on file chez Georgieux. On est à l'heure ou pas? Oui, on est à l'heure. C'était hyper cool ce live et on enchaîne avec un déjeuner, avec une partie du studio Pampa. Souris Laurent, on te voit pas mais souris. Et coucou. Oh là là. Je vlog. Je montre un petit peu ton institut. Comme il est mignon. C'est là que je vais, eh bien, une fois toutes les 3 semaines. Alors, on retire le vernis, ce joli violet que j'avais pendant 3 semaines. Et je vous disais donc que je vais faire une French. Je dois juste me décider sur les paillettes. Si c'est plutôt gold ou si c'est plutôt or. Regardez ça, comme c'est joli. Juste le bout de la French. J'adore. Bonjour, je vous retrouve le lendemain matin. Je suis en train de faire mon déjeuner puisque je mange au bureau ce midi. D'ailleurs, j'utilise un autre mon bento aujourd'hui. Il est très beau, hein, c'est une forme différente. Il est très pratique aussi. Et je vais juste avoir un cours d'anglais ici à la maison. C'est à distance avant de partir là à 9h. Et d'ailleurs, il faut que je vous en parle parce que vous me posez plein de questions. Hello! Je viens de terminer mon cours d'anglais, c'était super chouette.
Je m'étais coiffée, mais j'avais un peu oublié de me changer. Je l'ai accueillie en pyjama Friends. Mais écoutez, elle est new-yorkaise et je crois qu'elle a bien aimé. Je pense qu'elle aime bien Friends. Je vous ferai un point sur mes cours d'anglais à la fin. Je pense que c'est mieux, mais très rapidement, je prends des cours en ligne sur le cercle des langues. Quand je vous avais demandé conseil, c'est ce qui était le plus revenu et je suis très contente. Donc j'ai, on va dire, 2 heures de cours par mois, donc 2 cours. Et on échange et en fait à chaque fois il y a un thème, donc ça nous fait aborder du vocabulaire différent. Elle tourne ses cours pour qu'on puisse utiliser des temps et des formules de phrases différentes. Et puis ensuite elle complète en me conseillant des petits modules, des petits cours que je peux faire chez moi entre des cours, même parfois avec des petits exercices à faire à la maison. Enfin voilà, c'est super chouette, c'est hyper complet et je suis très contente de faire ça, mais bon, je vous en parlerai à la fin. Je pense, je viens de réaliser que je vais arrêter ce vlog ici, déjà parce que ce matin je vais être que au téléphone, Chabi. Là je vais appeler Alix, Alix Grousset, elle doit me parler d'un truc, et puis après voilà, je vais avoir des calls avec Charlotte, avec la marque Respire, etc. Ça va pas être très intéressant. Donc je vais arrêter ce vlog ici, comme ça je vais avoir le temps de le monter, on est jeudi matin, pour vous le poster dimanche. Si ça vous a plu, comme ça que je vous embarque sur une semaine, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un petit commentaire pour le refaire, et puis oula, la caméra est en train de pour le refaire, et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.